Salut, salut, comme vous l'avez vu, on se retrouve en mode guenu pour déballer le sop que j'ai fait avec ma bichette. Donc, j'ai cette tête-là parce que hier c'était mon anniversaire et j'ai très peu dormi du week-end. J'ai beaucoup bossé de la semaine. Je suis épuisée. Voilà, j'ai pas beaucoup dormi donc je suis crevée. Mais je voulais pas, j'avais pas envie de me maquiller et tout ça juste pour faire la vidéo. Et j'avais pas envie d'attendre de faire une vidéo make-up pour tourner le déballage du sop. Voilà. Donc c'est avec ma bichette Manon, on se fait un sop de la mire. Je t'aime ma bichette. Voilà. Donc on a décidé de partir sur 10 produits wishlist et 10 produits surprise. Voilà, sans budget. On met jamais de budget parce que. Voilà, et puis là j'en ai bien 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 profité. Donc je vous mets son déballage de swap en barre d'infos si vous voulez aller voir si elle est contente ou si elle est fâchée parce que j'ai abusé. Mais j'avais vraiment envie de lui faire plaisir. Voilà. Donc sa vidéo est en barre d'infos. N'hésitez pas à aller vous abonner et tout ça, tout ça. Essayez de l'aider à atteindre les 2000 là, ça serait bien. Voilà. Elle monte hein, doucement, mais elle monte aussi. Mais voilà. Donc. Ma petite bichette d'amour. Bichette d'amour. Je te remercie. Et voilà, tu sais. Toi-même, tu sais. Voilà. Donc déjà, elle m'avait déposé pour mon anniversaire la petite couronne gonflante, comme ça. Enfin, gonflable. Du coup, elle me l'a donnée quand elle est repartie. Donc on a oublié de l'utiliser. Mais je vais regarder à quoi ça ressemble. Ah non, il y a une petite paille pour la gonfler. Donc. Je pense que je la gonflerai, que je la mettrai en déco. Je sais pas encore trop. Mais voilà, il y avait ça. Attendez, parce que je suis pas très bien centrée là. Et elle m'a fait un petit DIY. Donc si vous voulez voir les DIY que moi je lui ai fait, c'est dans la vidéo que ça se passe. Alors, elle m'a laissé le regarder avant. Regardez-moi ça. C'est trop mignon, mignon, chouchou. J'adore. C'est un petit pot avec. Un petit pot licorne. Voilà. Donc je vais le mettre tout de suite dans mon fond. C'est trop beau. Merci ma bichette. Donc je vais lire son petit mot. Je pense que c'est le menu. Oh, la carte est trop belle. Je ne l'ai pas encore sortie, mais je vois déjà qu'elle est trop belle. Moi aussi. Alors, ah, ben voilà le menu. Donc je lis la petite carte. Moi aussi, je t'aime. Donc elle dit qu'elle espère que ça va me plaisir, que ça va me faire plaisir, et ça j'en doute pas, et que donc le menu est là et que je dois garder les goodies pour la fin. Donc elle m'a expliqué qu'après qu'il y avait quand elle m'a déposé, qu'il y avait des pistes. Ça pourrait me donner des pistes pour. Mais c'est là aussi j'ai envie de la mettre en fond. Vous voyez pas avec le logo, vous. Tant pis. Alors, le petit menu. Donc elle a fait de 1 à 10, de 1 à 20. Moi j'ai fait de 1 à 10. En fait j'ai fait de 1, 1 wishlist, 1 surprise, 1, 2 wishlist, 2 surprise. Puisque on commence par wishlist, surprise, wishlist, surprise. Je crois que vous avez compris le principe. Donc elle m'a dit que de 1 à 10 c'était dans 1. Et après c'était le reste. Donc on commence avec celui-là. Donc je vais tous les sortir pour que ce soit plus simple. Ah ben non, 19, 20, 11, 13, 12, c'était la fin. Donc c'est celui-ci, je suppose. Hein. Donc je vais tous les sortir. On sera plus à l'aise. J'ai pas pris Riley pour pas qu'elle me défonce tous les papiers et compagnie. J'adore ce papier. Voilà. Donc le 1, on commence avec un peu de sou. C'est gros. Au bon attaque, hein. Voilà. Je ne vais pas faire durer le suspense pendant 2 heures. Je suis pressée moi aussi. C'est le coffret Luminous, je crois. Ouais. Luminous 360 anti-matcha de chez
Nivea, et je le voulais. Donc, vous avez le sérum, forcément, vu que ça fait partie de ma wishlist. Le sérum et la crème, et c'est anti-tache. Donc, pour mes petites taches pigmentaires, j'ai envie de voir si ça fonctionne. Donc, je suis bien contente. Bon, je vais pas dire merci à chaque fois, hein, parce que sinon, on va pas s'en sortir. Deux, marque à tester. J'espère qu'elle ne ressemble pas trop à la Colourpop. C'est une palette, de toute évidence. Ce papier-là aussi est très beau. J'ai pris mes ciseaux et mon cutter au cas où. J'ai bien fait les choses cette fois-ci. Oh, Love Goods. Oh, j'avais trop envie. Oh, j'avais trop envie de tester cette marque-là. Je suis trop contente. C'est la Smoke and Mirrors. Ils ont des paillettes. Non, je vois pas à laquelle elle. Ah, tu penses peut-être à la Troublemaker? Non, comme ça, de visu, j'ai pas l'impression. Elle est trop belle. J'adore. Alors, ça pour les smokies. Bah, après, Smoke and Mirrors. Remixed. Gloss Goods. J'avais trop envie de tester cette marque-là. Je suis super contente. Pour l'instant, c'est sans faute, ma bichette. 3. Bon, elle, tu le savais. Ouais, il y a quelques trucs que je savais, mais je sais plus quoi. 3. Ah, c'est la palette Avatar. C'est fini. Elle est trop belle. Franchement, je vous l'ai prise pour mettre en concours et waouh. C'est comme ça que j'ai craqué. Hein. Elle était en solde. C'est pour ça que j'avais craqué. Je ne savais pas trop si je la regardais pour moi ou si, suivant le swap, ou si je vous la mettais en concours. Manon m'a dit que je ne pouvais pas l'acheter, donc je l'ai acheté quand même, mais pour vous. Voilà. Des favoris que je veux te faire découvrir. Numéro 4. 4. Ici. Deux petits fichons comme ça. Bon, je vais pas dire qu'elle a triché parce qu'elle a mis plusieurs trucs, hein, parce que vous verrez. Alors, Yves Rocher, baume à lèvres, amande lactée. Ouh, ça sent bien ça. Je vais juste le. Non, je vais pas l'essayer parce que j'en ai plein. Et ben, le même en gel douche. Les packagings sont canons. Oh, ils sont divinement bons. Prions pour que je n'ai pas de réaction allergique, sinon mes hommes s'en chargeront. Et dans le deuxième. Alors, on a. New parfum. Léa Stafford. Heat Protection. Donc, c'est un spray protecteur de chaleur. Pour les fers à friser. Spray thermoprotecteur. Utilise un fer à lisser ou à friser. Grâce au complexe Pro Heat, la protection est encore meilleure qu'un soin. New parfum. Oh, ça sent bon. Ils font des très beaux trucs de cette marque-là pour les cheveux. J'ai jamais craqué encore. Ah bah le même, enfin le même, la même marque, Coco Loco, with Agave, Heat Protection Mist, c'est encore un protecteur de chaleur, un réparateur si je comprends bien. Celui-là doit être à la coco, hein. C'est Coco Loco. Oh ça sent super bon. J'aime beaucoup, j'ai hâte de tester ça. Et ça, moi, j'ai du mal à trouver les protecteurs de chaleur. Donc,
Et je suis tout par terre, hein, j'avais l'habitude. Alors, 5, Rudolph ou Bambi? Je sais. C'est de la collection de Noël de Calicotti. J'avais craqué principalement pour le petit packaging. Mais ce que je vais faire, je vais le garder pour le mettre en déco à Noël. Et la teinte, c'est Kylie Matte 808. Est-ce qu'il y a un nom? Non. Attendez, j'arrive pas à l'ouvrir. Je voulais tester les Kylie Cosmetics. Oh, il est beau. Attendez, ça, je garde. Il est super beau. On va faire un swatch. Ça sent bon. Ouh, ça va être un magnifique nude. Oh, oh là là. Trop beau. Donc ça, on testera ces petites boucles-là au fur et à mesure des swatchs et du make-up des palettes. Hein. Alors, 6. Pour compléter la Creator. 6, donc la Creator, ouais, c'est. Oui, je vois ce que c'est. Hein. Celle-là, ça fait hyper longtemps que je la veux. C'est comme ça qu'après j'ai trouvé la Creator parce qu'elle était pas finie. C'est la Athéna de chez You Can Be. Donc c'est tout des fards gras. Donc là, il faut le cliquer. Comme la Creator, hein, mais il y a plus de teintes et le prix est différent aussi. Hein, quoi, je crois qu'elle n'est pas donnée. Hein. Pourtant, You Can Be, c'est une marque chinoise, c'est pas non plus un truc de fou. Mais ouais, celle-là, elle était quand même vraiment pas donnée. Du moins pour l'utilité que j'en ai, quoi. Vous voyez, puisque après, c'est juste. C'est pas un genre de produit que vous utilisez régulièrement. Donc, les teintes sont belles. Il y a un argenté, un doré, un gros blanc, un gros noir. Ça fait tellement. Ça fait plusieurs années que je louche dessus. Hein. Et comme je vous l'ai dit, quand j'ai acheté la Creator, c'est parce que de base, je voulais celle-ci. Merci. Oui, ah, oh, j'ai quand même dit merci. Désolé. Alors, 8, 9, 7. Je les mets dans l'ordre, oui, je m'organise. 7 vilains jusqu'au bout des cils. Ah, ça je sais. C'est les fossiles Catrice vilains. La collection vilain, la dernière qu'ils ont fait. Je les avais pas pris et finalement ils sont quand même très beaux. Donc je les aime bien. Cruella et Maléfique. Et ils sont magnifiques. Trop beau. Trop beau. Et c'est des très 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 bons fossiles. 8. En retard, j'ai rendez-vous quelque part. Ah, je sais. Ça, je sais parce qu'elle m'a dit que j'avais pas le droit de l'acheter. Parce que je voulais craquer dessus. C'est la Sigma in Wonderland, donc là en collaboration avec Alice au Pays des Merveilles. Et j'ai craqué dessus. Bah déjà, pour le packaging et l'univers. J'aurais bien aimé la Cendrillon aussi, hein, je vous l'avoue. Donc vous avez le petit plastique de protection. Il y a un pinceau qui est juste sublime et les fards sont. Trop beau. Alors oui, elle a rien de d'incroyable, hein, c'est des couleurs qu'on retrouve partout, mais elle me faisait trop envie quand même. Je suis body d'hier. Ça, je peux jeter. Ça, je peux jeter. Je fais de la place en même temps. Hein. Alors, 8 pour une belle bouche. Je ne sais plus si on est dans la wishlist ou pas.
Donc, je pense que c'est un kit de soin pour les lèvres que j'avais mis, oui, de chez Révolution. J'avais mis en wishlist, donc c'est bien wishlist. C'est Kiss and Go. Donc, vous avez le lip scrub, l'huile pour les lèvres et la petite brosse. J'étais principalement pour ça hein, que je jouais la brosse exfoliante pour les lèvres. C'est trop génial. Douce et soyeuse tout au long de l'année. Une huile à lèvres revitalisante et un nouvel exfoliant pour des lèvres exclusives de Révolution. Ils disent pas le parfum, mais je m'en fous. Voilà, c'était principalement pour la brosse qui me faisait envie. Alors, 10, du vert et des paillettes. Ça sent la palette. Elle est bien, bien, bien scotchée. C'est good encore. Dancing in the sky. Ouh. Ouh. Alors, c'est que des lumineux. Hein. C'est une palette de paillettes, toppers. Oh, wow. Waouh, waouh, waouh. Ouh, il y en a quelques-uns que j'ai hâte de tester. Hein. Ouh, c'est beau tout ça. Ah. Et la marmotte, belle chocolat, dans le papier d'alu. D'accord. Donc voilà, après cette petite interruption de Georges qui ne servait strictement à rien, j'ai sorti la suite. Alors, 11. J'espère qu'ils sont doux. Ouh, ça sent les pinceaux, ça. Attendez, il y a trop de choses. 11. J'espère qu'ils sont doux. Tu les as trouvés où? Attendez, il me faut le critère. Je voyais pas mon critère. Mais non, faut arrêter avec ce truc-là. C'est les make-up Eraser vilains. Eraser. Eraser. Mais elles sont très dures à trouver, les collections comme ça. On les a jamais par chez nous. Oh là 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 là. Oh, la vache. Oui, c'est doux. Oh, c'est supra doux. Oh là 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 là, j'adore. Et donc, vous en avez 7 hein, hein, pour les chaque jour de la semaine. C'est des make-up et rasers, donc pour se nettoyer le visage, hein, se démaquiller, avec la petite... Oh, oh là là, elles sont grosses. Donc, vous avez Ursula, la reine de cœur, Scar, Maléfique, évidemment. La Grindelwald, la méchante reine. Cruella. J'ai dit Cruella ou Ursula pour la première, je ne sais plus. Et Hadès. C'est un de mes vilains préférés aussi, Hadès. Oh, c'est trop génial. Et en plus, elles ont une bonne prise en main pour se démaquiller et tout. J'adore. Tout doux. Aussi tout doux. Aussi tout. C'est neuf. Non, c'est là avec Merlin. Je suis fatiguée, je vous avais prévenu. Alors, j'espère qu'ils sont 12. Tu l'auras quand même. 12, 12. Je sais. C'est le blush qui va avec la palette Alice. Alors, pour la petite explication, je lui ai pris pour mettre dans le swap, je peux vous le dire maintenant, puisqu'elle avait déjà déballé le sien, hein. Je lui ai pris moi pour mettre dans le swap, et du coup, je m'étais fait plaisir, vu que j'avais pas acheté la palette, j'avais acheté le blush pour moi aussi, donc j'en avais commandé deux, tant qu'ils étaient en promo, c'était pour le Black Friday, chez Beauty Bay, sauf que quand j'ai reçu, ils m'en ont livré qu'un, à la place de deux.
Le blush est magnifique. Hein. L'highlighter, je suis pas sûre que ce soit vraiment ma teinte. Mais bon, allez, on va swatcher quand même l'highlighter. Voyez, champagne. Champagne rosé, oh, il est beau. Il n'est pas trop doré. Bon, après, c'est pas non plus un highlighter de dingue, hein, comme moi je mets, mais j'aime beaucoup. Donc, j'en avais commandé deux, j'en ai reçu qu'un. Et j'ai dit à Manon, j'ai dit, bah, écoute, toi, tu l'auras dans le soir, parce qu'on va faire une vidéo avec ensemble avec la palette. Puisqu'elle se l'a acheté pour elle aussi, du coup. Et on devait faire le crash test de blush en même temps. J'écoute, toi, tu l'auras. Moi, c'est pas très grave s'il n'est pas dans la vidéo. Je vais pas le recommander, hein, parce qu'il était plus en promo. Il voulait pas me le renvoyer en promo. Donc, soit je vais le recommander. Voilà, vous voyez quoi. Et du coup, j'ai dit, bon, là, remboursez-moi. C'était pas non plus indispensable. Et j'ai dit à Manon, tant pis, moi, je l'aurai pas. Et ben, du coup, je l'ai. Voilà. 13. Pour habiller tes oreilles. T'as pas fait ça. C'est le piercing que je voulais de chez Régal Rose. Alors, c'est présenté dans un petit truc comme ça. Oh, il est beau. Oh là là. Alors, attendez, je vais vous le sortir pour vous montrer. Alors, c'est un très gros piercing. Mais il est très beau. Et il y a deux attaches en plus. Ça, c'est génial. Vous avez deux barres par rapport à la longueur pour la largeur de votre oreille. C'est un labret à l'arrière, donc ça fait pas mal. Donc moi, je l'ai pris pour oreille ici. Ouais. Enfin, je l'ai pris. Je le voulais. Aïe, 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 aïe. Oh, ça va être trop, trop, trop beau. Ouh, je vais le mettre juste après la vidéo. Oh, merci, Marie. Alors ça, je vais le mettre en hauteur pour pas le perdre. Je suis trop contente. Une voiture qui se garde devant ma porte. Hmm. 14, ça fait un moment que tu le voulais. Oh, je sais. C'est le calabasas. C'est vrai que ça, c'est le Calabasas et le Dominatrix, c'est les deux que je lorne dessus depuis un très long moment. Alors c'est un marron plus chocolat que celui que j'ai, que je vous ai mis également en concours. Trop, trop, trop bon. Et le Kylie, il sèche bien matin. Mmh. 15. Ce n'est pas une surprise. Ah oui, donc du coup, je sais. Ça aussi, c'est parce que comme j'ai eu une frénésie acheteuse là, en même temps que j'achetais pour le swap, il y a des trucs qu'elle a dû me balancer parce que je vais les acheter avec les soldes et le Black Friday. Donc il y a des trucs qu'elle a dû me balancer. Donc, enfin, non, je m'en rends rien. Ah, je l'avais pas, hein, celle-là. Bah, du coup, je l'avais pas parce que je pouvais pas l'acheter. Ouh.
Coucou. Par contre, le miroir, le dessus là, de la palette est super épais. C'est super lourd. Et hey, c'est la mission triple X de ma fille cosmétique. Va y avoir du swatching make-up, les gars. Une de plus. Encore une palette. Une de plus. Donc c'est pour ma collection. Une Beauty Bee. Elle va encore me dire, j'ai eu un premier. J'adore ces palettes, mais elles sont tellement chères et tellement encombrantes parce que la première, elle est complètement explosée. Mais oh. Mais alors, la qualité des fards de ce truc, enfin la pigmentation des fards de ce truc, c'est un truc de fou, mais vraiment de dingue. Il y a des belles couleurs dedans aussi. Hein. Faudrait que je les ressorte un peu. Donc là, ça doit être la 3. Exactement. Puisqu'elle m'a offert déjà la 1, la 2 et maintenant la 3. Pour finir, j'aurai toute la collection des Novina. Et ça sera toute Manon qui me les aura offertes. Voilà. Bon, par contre, tu tombes pas. Hein. C'est fragile. Hein. Saloperie hein, de fragilité. Alors, 17, un teint de rose. Oh putain, je sais. En fait, on se connaît trop bien parce que ces explications, surtout le côté wishlist, hein, forcément. Ça, elle l'avait mis dans un swap à Amy, je crois, ou c'était pour... Non, il me semble que c'était dans un swap. Et quand je l'ai vu, elle m'a trop donné envie, quoi. Regardez-moi le packaging de ce truc. Donc, du coup, je l'avais mis en wishlist. Et c'est magnifique, sublime. Ah, ça sent fort la rose, par contre. Hein. Je comprends qu'elle n'est pas trop fan. Elle n'aime pas l'odeur de la rose, hein, Manon. Donc, c'est marqué highlighter powder. Mais, ouais, à part celui-ci, celui-ci peut peut-être même servir de bronzer, vous savez, sur les tempes en été, enfin, sur le front. Mais ça, c'est clairement des blushs, quoi. C'est bien pigmenté. Oh là là, j'ai hâte de tester tout ça. Oui, je suis une enfant. Je sais. Alors, attendez, je mets les trois derniers. Oui, il reste déjà plus que trois. Mais il y a tout ça que de goodies encore. J'espère que j'ai bien choisi. Donc, qui suit? Adopte, hein, c'est Adepte, donc je ne vois pas du tout c'est quoi la marque. Alors attendez, je trouve pas la sortie du bazar. Oh, c'est une palette. Nine green. Oh, mais le packaging est super beau.
Par contre, Pierre est balayé. Donc il y a un plastique de protection dessus qui l'entoure. Je connais pas du tout. Oh, dis donc, c'est beau tout ça. Alors, il n'y a que deux mats. C'est un peu le même principe que la Celestial Odyssey de Pat McGrath. C'est que ben, vous faites le même make-up de base et vous changez juste les lumineux, mais ça a l'air d'être de la bombe atomique, le bazar. Il a l'air d'y avoir des superbes belles choses. Hein. Celui-là, il a l'air... Oh là là. Bon, j'enlèverai les plastiques après. Mais je connais pas du tout, j'adore. Regardez comme c'est beau. Bon, il faut quand même que j'enlève le plastique, sinon ça fait pas beau avec les reflets. Ah bah tiens, j'en ai un coup. Oh, merde, ça a raboté les... Mais non! Ça a raboté les fleurs. Oh, je suis dégoûtée. Je vais essayer de rempoter comme je peux. Bon, ça les a pas cassés, hein, mais ça a râpé le phare. Wow. Oh, attendez, du coup j'en ai plein les doigts. Je vais vous faire un swatch. Parce que là, je viens de voir un truc. Oh la vache! Oh là 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 là. Bon, j'en avais un peu beaucoup sur le doigt. Mais. Wow. Oh, je suis dégoûtée. Oh, maintenant, je suis désolée, ça a raboté. Je vais la laisser comme ça, je vais essayer de réparer mes dégâts. Je suis dégoûtée. Putain, chiotte, crotte. Wow. Oh, maintenant, je suis désolée. Je l'ai abîmée. J'ai pas fait X si près, hein. En fait, la partie là ne s'était pas détachée. Et ça a raboté les phares. C'est mal foutu leur truc. Bon, je réparerai mes dégâts après, vu qu'ils sont hyper crémeux. Oh, c'est des paillettes. Oh, c'est trop beau. Wow. Oh, j'ai hâte de tester ça. Je suis dégoûtée. Désolée. Oh, je suis tristesse. Alors, 19. Tu auras le choix. C'est énorme. J'aurai le choix de quoi? J'aurai le choix de rouge à lèvres. Oh, il y a des belles choses. Donc c'est un bundle avec les mini rouges à lèvres de Vrestar dans les teintes violettes. Oh, celui-là, il est magnifique. Berry on Ice, Clout, Blow Pony, Virginity. Ah, il y a le Scorpio. Cool, j'ai presque fini le mien. I'm Royalty, I'm Vulgar, Royal Amour. Trop beau. Déjà, il m'avait offert le vert. Et il m'en reste 6 sur 8, je crois. Il y en a 2 que j'ai terminé déjà. Donc, c'est des mini-formats, mais c'est largement suffisant pour ce genre de teinte. Et si vous voulez découvrir les rouges à lèvres, c'est une bonne alternative. Ce n'est pas la 4, mais j'espère qu'elle te plaira quand même. Qu'est-ce que je voulais en 4? En numéro 4. Là, je suis choquée. Wow, j'ai envie de pleurer. J'ai plus de mots. Wow, je suis choquée.
Celle-là, je l'avais pas vu venir. Mais alors, vraiment pas. Bon, je destroy le carton. Hein. Là, ouais, voilà. Je suis trop émotionné. Je ne sais plus quoi dire. Oh, oh là là. Oh, le Polaris, là, il faut que je le swatch. Oh, qu'est-ce que... Oh! Mais c'est de la crème! C'est carrément un fard crème dans la palette, ça, je savais pas. Je savais, moi... Wow. Oh, il a un effet poudreux après. Oh, il est ici. Et si vous remettez un autre par-dessus, donc on va tester le Strawberry Moon. Donc là, c'est un fard. Oh là là, il va falloir que je me remette de mes émotions. Oh là là là. Oh, alors, je sais plus quoi dire. Wow, je suis choquée. Non, mais là, je suis. T'es taré, t'es malade, Ouah, je t'aime. Là, j'arrive plus. Je prépare le sac de goodies, puisqu'on en a fini avec le. Ah oui, rassure-toi, ça me plaît quand même. Wow. Bon, je prépare le sac de goodies. Je m'en suis toujours pas remise. Maman qui me disait, ouais, j'ai bien abusé, elle va être choquée. Ben, du coup, j'ai peur que mon swap fasse pitié derrière. Donc on va passer aux goodies. Donc j'ai bougé mon téléphone pour que vous m'entendiez bien parce que j'ai mis le sac devant le micro. Donc voilà. Donc déjà. Digitos. Alors elle a pensé à Raleigh. Elle lui a mis des petits trucs comme ça. Et un petit joujou que la chienne a déjà essayé d'aller piquer dans le sac quand elle l'a déposé. Ice. Ah, c'est un pouch-pouch. C'est un petit cochon. Ça ira très bien, mon petit cochon, moi. Alors, ici, il y a une petite sucette. Love, love. Voilà, avec des bonbons. C'est trop chou. Des papoufs avec des croqueurs. J'adore. Bon, je vais les mettre là. Alors ça, elle m'a mis en plus pour que je teste. Enfin, elle n'a pas aimé les fossiles Shiglam et la teinte de l'échantillon ne lui convenait pas, donc elle me l'a donné de chez Shiglam. Donc je prends ce que je vois qui est déjà déballé. Oh, une sucette en chocolat Stitch. C'est trop chou. Des petits bonbons comme ça en cœur. Trop choupi. No much love. Ah, les patchs essence en forme d'aile d'ange comme ça. Trop choupinou. Je regarde ce qui n'est pas déballé, hein, ce qui n'est pas emballé. Ah oui, ça c'était la palette qu'elle m'avait offerte, mais que du coup ira dans le concours pour vous, puisque comme on a eu du mal avec ces palettes là, enfin je vous ai dit expliqué, suivez un peu. Un masque, enfin des gants pour les soins des mains. Oh, ça tombe bien, j'ai jamais fait ça. With apricot nut oil and vitamine E. Le packaging est trop beau. Donc il faut les laisser 15 minutes. Et après vous avez les mains tout hydratées. Bah écoutez, en hiver, c'est génial. Donc, elle m'a pas donné d'or, donc je vais prendre comme ça rien. Là, il n'y a rien d'écrit dessus. Je vais
Oh, les chaussures Pampi! Oh, il est trop chou! Il est trop mignon! Oh, il y a Pompon! Oh, Jess va être jalouse! Et ici, on a Fleur! Oh, j'adore! J'adore, elles sont trop belles en plus, l'air comme ça, j'en ai pas les chaussettes. C'est vrai. Alors, ici, on a un de plus. Ça, ça pue le calabasas. Enfin, ça pue. Non, c'est pas de ça. Rude. Ah, c'est... Oh, j'espère que t'as pas pris le même que moi. C'est le liner pailleté. Ah non, c'est le Dreaming, donc je l'ai pas celui-là. Donc c'est un liner pailleté de chez Rude Cosmetics et vous allez voir son shop. C'est le vert. Il est trop beau. On a trop de... Ah oui, il est scellé très... Ils sont très difficiles à ouvrir, donc je le swatche pas maintenant. Tu les trouvais trop beaux. C'est des bonbons. Oh, des petits strass comme ça, ils sont canons. Ils sont canons. Ah, je me souviens pas de où je les ai vus et que tu m'as dit que, enfin, que j'ai dit que je les trouvais trop beaux, mais ils sont trop beaux. Oh, magnifique. J'essaye de poser où il y a de la place. Ensuite, un peu de Fantaisie. C'est mon mou. Un chouchou. C'est chouchou gougou. Excellent. Excellent. Ce sera mon chouchou officiel pour le dodo. C'est notre mou. L'amour, les fées, la magie, et les bisounours. Ah, les chaussettes et les stickers. J'avais pas vu passer les chaussettes bisounours. Alors ça, c'est un scandale. Et des stickers. Je crois que je vais en coller quelques-uns sur mon PC. Bisounours, c'est ma jeunesse, c'est mon enfance plutôt. Parce que... Je regardais les bisounours, j'avais la peluche bisounours, je dormais avec ma peluche bisounours. Allez, il sent trop bon, tu verras. Parfum, une brume hydratante. Ah, j'ai peut-être une idée. Le spray X-X, là, qu'elle a testé. C'est ça. Elle l'a acheté, elle en a parlé dans une vidéo et du coup j'ai dit, ah, oh, je l'ai même pas vu passer. Oui, je suis un peu à la ramasse avec les nouveautés, moi. Et du coup j'ai dit, je veux, j'adore, moi, les brumes hydratantes. Waouh, j'ai pas mis mon cutter. Il est, ah, non, il est là. J'ai trouvé mon cutter. On va sentir, hein. J'avais déjà un bordel monstrueux dans mon bureau, donc c'est celui-là. Harvest Moon, j'aimais bien le nom aussi en fait. Brume, essence, ils disent rien. Sur l'odeur, je veux dire. Oh! Oh, c'est discret, c'est frais, c'est. Wow, j'aime beaucoup l'odeur. Elle a un peu abusé. Parce que je t'en ai pas mis dans un dans le swap. Mmh. Je le voulais, j'ai failli me l'acheter et je ne l'ai pas acheté. C'est les nouveaux highlighters de chez Rude Cosmetics. Franchement, quand je me suis pris le liner et que du coup je l'ai pris pour elle, maintenant elle le sait. Je l'avais dans mon panier et puis je l'ai enlevé. Je me suis dit non, après t'abuses, t'en as déjà plein. Et je l'ai enlevé de mon panier. On est trop connectés. J'arrive pas à sortir par contre. J'abuse. Hein. Ouais, mais
Il va me torturer, celui-là. Et là, il est très, 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 très bien, mon bonhomme. Alors, le packaging, déjà, il est très simple, hein, mais c'est très, très, très quali. Oh, c'est des pures paillettes. Donc là, le leader. Je vais en mettre un peu plus. Hein, quand même. C'est des paillettes. Alors, je ne sais pas si vous allez voir ici. C'est un highlighter pailleté. Clairement, il est sublime. J'ai bien fait de l'enlever de mon panier. Un look pour Halloween avec point d'interrogation. Chocolat, ça fait... Oh, oh! C'est un serre-tête avec la dentelle des... Oh, ça y a l'air trop beau. Je ne vois pas, mais il est très beau. Oh là là. Bon, vous pouvez même le mettre en choker, hein, j'ai envie de vous dire. Donc, c'est un serre-tête que vous pouvez mettre... Vous voyez, comme ça. Plus comme ça, si vous voulez. Vous le resserrez un peu, ça fait un choker. Et alors, ce que vous pouvez faire aussi, si vous faites des chignons et tout ça, c'est le mettre en arrière, pendre sur le chignon. Voilà, je suis coiffée comme une patate. Hein, mais... Voilà. Oh, c'est très, très, très joli. Moi, je pense que je le mettrai comme ça. Ouais, on fera un look. On fera un look avec. Vous pouvez le mettre dans l'autre sens aussi, qu'il aura sardine sur la tête. Bon, après, vous savez, les serre-têtes. Voilà. Vous faites, par exemple, une queue ici, une demi-queue, et vous le glissez dedans. Ou des queues qui ressortent par chaque truc. D'accord. On fera un look d'œil. Je l'incorporerai dans un de mes looks à l'unique. Pour tester. Nous allons donc tester. Ah oui, Cleansing Bar, pain de nettoyage démaquillant de chez Primark. C'est une nouvelle gamme, ils ont sorti toute une gamme de soins solides. Mais j'ai hâte de tester, voilà, et c'est le démaquillant solide. Il est pris dessus, vous pouvez l'enlever. Normalement, les prix sont toujours affichés dessus. Mais... Non. Il n'y a plus le prix dessus, mais c'était vraiment pas bien cher. Et si c'est efficace, pourquoi pas. Je le vois trop sur toi. Bracelet, choker, headbands, choker. Ah, bah il est trop beau aussi. Ouais, il ira même très bien avec le... Je le vois très bien sur moi aussi, regarde. Magnifique. Sublime. J'adore. On arrive à la fin, je vous promets. Il reste 1, 2, 3... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 paquets. Je sais pas ce qu'elles valent, mais c'était dans le thème. Oh, des petites toupettes en forme de cœur. Bon, elles ont l'air bien moelleuses en tout cas. Je testerai pour mon prochain make-up. Pour un moment ou des moments techniques. C'est masse. Un swap sans masque, ce n'est pas bien. Celui-là, elle l'avait montré dans son haul. C'est un marshmallow. J'ai trop hâte de le faire. Je pense que je vais me le faire ce soir.
Donc c'est de chez Primark. Minnie et Mickey de chez Mad Beauty. Trop mignon. En forme de cœur. Donc c'est de chez Mad Beauty. Bon. Mad Beauty encore. Chez la cerise de chez Truc Jouy Mouti. Et en. Mad Beauty toujours. Hein. Celui-là, j'avais l'orni dessus quand il est sorti. Alors, c'était offert. Alors, si elle marque ça. Si elle marque ça, c'est qu'elle va m'énerver. Non. Poudre baume lissante, visage et yeux de chez Danessa Méric en format 6 grammes. C'est bien qu'ils fassent des petits cadeaux comme ça. C'est sympa. Et c'est gentil de me le mettre à moi parce que tu aurais pu te le garder. C'est une teinte universelle. Ce qui m'étonne, c'est le poudre baume. Enfin, ce qui m'inspire. Oh, c'est très joli, hein. Attendez, parce que j'arrive pas à l'ouvrir. Je cherche la solution au casse-tête chinois. Ça se dévisse. Hein. Poudre baume lissante. C'est peut-être une base. Ou bien un démaquillant, je sais pas. Ça... Bon, c'est de la crème. Poudre baume lissante. Bon, écoutez, j'irai voir sur internet hein, parce que là, il n'est pas tout complet. C'est pas le genre de marque en plus que. Poudre baume lissante, visage et yeux. Je regarderai sur internet. Alors. Ici, c'est tout léger. Oh, des manchettes en dentelle. Mais t'as trouvé ça où, toi? Trop beau. Vous pouvez le mettre dans les deux sens, hein, par-dessus le pull aussi. Hein. Chouchou tout doux. Ah, c'est peut-être celui de la collection Essence. Oui. C'est la nouvelle collection Essence You Can Teddy. En fait, c'était le seul truc de la collection qui m'intéressait. Oula. Bambi, j'étais obligée. Alors, ça me fait rire parce que de base, je suis pas fan de Bambi. C'est pas un dessin animé que j'aime. C'est juste que j'aime les Bambi en soi. Donc, du coup. Ben, Bambi, c'est un bébé Bambi. Oh, je l'ai déjà. Je me l'étais acheté il y a quelques mois, mais c'est rien. Toujours plus de stock. C'est l'avant-dernier. Moi, oh, c'est un mini chouchou. Avec une couronne comme ça, regardez, en pilou pilou tout doux. Oh, j'adore. Bon, ça, je peux clairement pas dormir avec, hein, mais pour les queens, ça sera parfait. Et après, il faut tout manger. Et le dernier, j'aime trop ce parfum. Yves Rocher, la bougie de la mini collection. Mais je suis bien contente parce que l'odeur est. Enfin, du gel douche. Hein, est super agréable. Donc, c'est trop bon. Oh, j'adore. Amande lactée. Milky Almond. Oh, j'aime trop l'odeur. J'adore. Avant toute chose, Manon, je te dis mille merci. Je suis ravie. C'est... Wow, tout me plaît.
T'as encore fait un sans faute. Comme d'habitude, franchement, mon swap, j'ai l'impression qu'il fait pitié maintenant à côté. J'espère que ça te plaît aussi. Je regarde. Alors, j'ai déjà rangé tout ce qui était pour descendre, les masques, la bouffe, les trucs pour Riley et tout ça. Il me reste ben, les chaussettes, les autocollants et tout ça. Les soins, que ça, je pourrais pas tester en vidéo, mais il y a du contenu pour faire des vidéos encore. Hein. Donc, déjà, ça, je vais aller manger de suite en bas avec un petit café. Mes nouveaux chouchous pour faire dodo, officiels, ça, c'est sûr. Ça, j'ai vraiment hâte de tester. Et alors, ben, en test, on a quand même pas mal de choses. Il y a la palette by Thierry, un truc de fou. L'highlighter Rude. Le truc là, du coup, que je sais toujours pas ce que c'est, de chez Donna & Samiri. On a le liner pailleté et les deux rouges à lèvres, plus tous les petits rouges à lèvres ici. La palette Athéna de chez You Can Be que je voulais depuis tellement longtemps et que du coup, prochain make-up artistique, je la teste obligé. Obligé. On a alors deux palettes Gloss Goods que j'avais trop envie de tester cette marque. C'est génial et elles sont sublimes. J'avais vraiment envie de tester quand on voit leur swatch. C'est un peu de fou. La NYX Avatar, on fera une vidéo, bien évidemment. Celle-ci aussi que j'ai vraiment hâte de tester, mais il faut d'abord que je la répare parce que j'ai fait une catastrophe et je suis complètement dégoûtée. Alors, complètement dégoûtée. Swatch and Makeup. Swatch and Makeup. Swatch and Makeup. Bien évidemment, celle-ci sera en collaboration, enfin, partout, enfin. Ça sera une vidéo avec Manon, puisque elle a aussi tout. Et je m'en suis toujours pas remise. Hein. Je vous jure. Je vous jure. Mais alors, il y a des trucs, j'ai trop hâte de tester, mais je peux pas tout tester en même temps. Oh, ça c'est la galère. Donc les petits à côté. On testera par exemple les blushs, les rouges à lèvres, le liner pailleté, l'highlighter. Je testerai ça en même temps que les swatches et le make-up. Hein, voilà, je vous préciserai quand ça sera un test. Ça, je vais la descendre tout de suite pour la tester pour la prochaine fois que je fais mon teint. Donc Manon, je te remercie ben, pour tout. Tu sais, hein, je ne vais pas me répéter. Je te remercie encore pour hier d'être descendue. Voilà, parce qu'il y a eu un gros imprévu pour Manon qui n'a pas su venir à midi pour mon anniversaire. Et du coup, ils sont descendus après leur imprévu. Donc ils ont reporté à minuit, c'est pour ça que je suis aussi fatiguée. Mais c'est un énorme cadeau, un des plus beaux cadeaux qu'elle pouvait me faire, c'était de descendre malgré tout. Donc voilà, ça m'a beaucoup touchée. Voilà, tu sais que je t'aime plus que tout. Voilà, tu sais. Je peux rien dire de plus. C'est quelqu'un qui est très présent quand ça va pas depuis très longtemps maintenant. Ça fait des années, bah, elle me suit quasi depuis le début. On a commencé à échanger en commentaires. Elle a ouvert une chaîne et on a commencé à se lier toutes les deux. On est devenus proches et puis de plus en plus proches. Quand il y a eu des coups durs, elle a été là et voilà, ça nous a vraiment rapprochés. Et c'est une personne qui me remonte énormément des moments où ça va pas. Donc voilà. Pour tout ça, je te remercie. Je te remercie encore du fond du cœur d'être descendu. Merci à Nico également, hein, bien sûr. Et voilà. Je sais plus quoi dire, je suis scotché, je suis bluffé, je suis ébahi, je suis ravi. Donc maintenant j'espère vraiment que ton swap te plaît aussi, qu'il fait pas pitié, que le mien fait pas pitié à côté du tien, c'est un truc de fou, voilà. Bon, après j'ai largement abusé aussi, hein, allez voir. Vous avez sa vidéo en barre d'infos. Donc n'oubliez pas, allez voir, mettre des gentils commentaires, des pouces en l'air, de vous abonner surtout. Voilà. Et aller voir les petites surprises que je lui ai mises. Et voilà. Maintenant, je vais aller voir aussi. Je vais aller faire le montage de celui-ci pour qu'on puisse ce soir, je pense, regarder nos swaps en alternance. Enfin, vous voyez, on les regarde en communiquant ensemble.
pour dire ah je suis contente que celui-là te plaît, j'avais un doute, oh celui-là il m'a trop plu. Enfin, vous voyez, on va débriefer ensemble sur nos swaps, notre échange de swaps. Et on adore faire ça. Voilà. Bon, sur ce, je crois que la vidéo est très 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 longue, hein, je suis désolée, mais c'est un swap, c'est pas non plus une petite vidéo. Donc n'oubliez pas de vous abonner ici, si c'est pas encore fait, de laisser le pouce en l'air, de me dire s'il y a des produits que vous connaissez déjà, vous, parce que moi c'est que de la découverte là. Il y a des marques que je connaissais même pas, il y a des palettes que je connaissais pas non plus. Il y a beaucoup de choses qui me faisaient très envie en plus. Hein. Après, il y avait une partie wishlist, donc c'est logique, mais. Voilà. Donc, allez, sur ce, je vous laisse et je n'ai plus qu'à vous dire bisous, bisous et surtout gros, 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 gros bisous à ma petite bichette.